Les vagues s'écrasent sur le rivage, le vent caresse les visages. On s'élance sur nos vélos, en quête d'aventure et d'émerveillement, de nouveaux horizons à explorer. On roule au rythme de la mer, l'esprit léger, sans contraintes ni barrières. On s'enivre de l'air salin et de l'odeur des embruns. On oublie le temps, les soucis, les tracas du quotidien. Sur les routes sinueuses, on avance sans relâche, cherchant la liberté, la découverte, sans s'attacher aux horaires, aux obligations, aux règles de la vie. On se laisse guider par nos instincts et nos envies. Ce voyage à vélo au bord de l'océan Atlantique est une ode à la liberté, à l'aventure authentique, au moment de pur bonheur, de connivence et d'amitié, où seul compte la découverte et le plaisir d'être. Bienvenue sur la Vélodyssée. Ça y est, on vient de prendre la route. On fait les premiers kilomètres avec des conditions... pas terribles. Ouais. C'est pas fou. Il fait froid, on a 4 degrés ce matin. Il pleut. Et en plus de ça, il y a la neige sur les sommets tout autour. Donc cette première journée, elle va commencer dans des conditions assez particulières. Pour une première, c'est pas mal. On vient d'arriver à Lourdes, la pluie vient de se calmer, c'est un peu plus agréable pour rouler. En face de nous, là-bas, on a un énorme nuage. Je pense qu'on va reprendre la pluie dès qu'on va sortir, parce que c'est bien chargé. Il est midi, on a déjà pas mal roulé ce matin, on est à 60 km depuis le départ, en 3h30. Donc c'est quand même pas mal pour cette fois. Ouais, on n'a pas chômé comme dit Simon. Et la météo au final, elle est plutôt, plutôt bien, ça va. Ça va, on va dire qu'elle se tient. On a la flotte, le vent, mais ça se tient. On s'attendait à avoir plus de pluie et plus froid. Parce qu'avec un départ à 4 degrés ce matin, ici ça s'est bien réchauffé, là on est à Pau. On va arriver quasiment au niveau du château de Pau. On va se faire une petite pause pour acheter quelques commissions pour les jours à venir. Depuis ce matin, on a emprunté la V81. C'est la véloroute qui permet de relier jusqu'à Bayonne, si je ne me trompe pas. Et c'est plutôt agréable parce que c'est une piste très bien balisée et très, très confortable à vélo. Donc on va la prendre jusqu'à Bayonne. On verra jusqu'où on bifurque. Mais là, c'est un peu l'objectif pour la journée d'aujourd'hui et de demain. On vient de s'arrêter à Lac pour faire un petit ravitaillement en eau. On n'avait plus d'eau. Ça permet de faire une petite pause pour les jambes aussi parce qu'on est à quasiment 90 km. Depuis une petite demi-heure, on a un peu de beau temps, donc c'est quand même agréable, mais comme vous voyez, c'est bien chargé tout autour. Donc on espère que ça va durer avec le petit rayon de soleil qui apparaît, mais c'est pas dit. Donc on en profite un petit peu d'être un peu au sec avec ce temps pour délayer un peu les jambes avant de repartir. Ça sent l'arrivée quand même. Ouais, on est bon ce soir. Hein. Il n'y a pas de village avant le prochain, il est loin. Ah, il est assez loin. Il est assez loin, donc on va voir, on va attendre un peu ici, là on est à l'abri. On verra si ça se calme ou pas, avancer un peu encore après. Derrière on a une énorme, d'énormes précipitations qui sont en train d'arriver et là on se prend des saucées assez fortes depuis tout à l'heure. On a le vent qui est vraiment fort de face, donc on avance vraiment plus et c'est très fatigant, donc on s'est dit que autant se poser un petit peu. Le temps que ça se calme, et au pire des cas, si on voit que ça se calme pas, on va voir pour poser la tente par là, ou même se poser directement, parce qu'on est bien abrité avec, avec le haut vent, donc... ouais, on va voir.
Ah oui, quand on n'a qu'une paire de chaussures, on a des claquettes. Bon, il fait un peu frais quand même, faut avouer. J'avais vraiment pas pensé à ça. Simon pense vraiment à tout. Il y a un truc à faire là, il y a un brevet à déposer ou quelque chose. Vous avez pas l'odeur, hein. Je dis ça. Ouais, je peux. Avec la dehors toute la journée avec les conditions un peu rudes de cette première. C'est toi qui m'avais conseillé celui-là. Ouais, c'est vraiment. Je suis tellement content de ces trucs-là. Ouais, c'est bien après. Ouais. Bon, alors demain, mauvaise nouvelle. T'as vu Gérard? C'est joli, hein. On va faire du surplace demain. Aujourd'hui, on a roulé avec un peu de vent de face, on en a chié. Demain, on va rouler avec beaucoup de vent de face. On prévoit 70, donc on va faire du surplace. Si on fait 10 bandes demain, ça va être pas mal déjà. Après la pluie, le vent. Voilà. Ce matin, on a fait un petit point météo et on s'est rendu compte qu'ils annonçaient du vent à plus de 70 km/h. Et de face. C'est surtout ça, de face. Ouais, de face, donc on s'est dit que on n'allait pas du tout avancer. Autant profiter de la gare la plus proche et on était à côté d'Orthez, donc on s'est dit qu'on allait prendre le train jusqu'à Bayonne pour pouvoir avancer au moins sur cette partie qui allait être très venteuse et poursuivre après avec un petit vent de côté qui va nous ralentir un peu moins. Mais au moins, on pourra continuer à avancer parce que là... 70 km/h de face, on va pas avancer du tout. T'en penses quoi Gérard? Heureusement qu'on a la tente. On est arrivé dans l'après-midi au niveau d'un camping pour s'abriter un petit peu, du moins pour s'abriter, pour avoir un peu le confort d'une douche. Même pas une demi-heure après qu'on soit arrivé, qu'on soit installé, on a commencé à prendre la pluie. Du moins, à reprendre la pluie. On a eu quelques éclaircies dans l'après-midi, mais ça n'a pas duré très longtemps. On passe le reste de l'après-midi dans la tente. Dans la tente, on est bien dans la tente, oui. La douche a fait du bien. Oui. Après ces deux jours de moiteur et de pluie, c'était très appréciable. Deux jours dans le froid mouillé, la douche a fait du bien. Ouais. On espère que demain ça va aller mieux. Logiquement, il est censé faire beau dans l'après-midi. Le vent devrait se calmer aussi. Et on attend du vent à 70 km/h dans la nuit. On a senti les premières rafales qui ont commencé à bien secouer la tente. Mais je sais pas nous on va bien dormir en tout cas. Deuxième nuit pourrie. On vient de partir il y a tout juste 5 minutes, sans la pluie pour une fois, donc on s'était dit que ça pouvait être sympa d'attaquer la journée sans ce phénomène météorologique. Et par chance, ou pas de chance, je sais pas, on reprend une grosse chaussée dès le matin, histoire de toujours se garder le moral à fond. Plus de ça, le vent arrive. Avec un peu de chance, cet après-midi il est censé faire beau. Donc ça devrait donner un peu de baume au moral, mais là ça commence à être long, là. Troisième jour avec la flotte, comment elle a été ta nuit? Courte, dure, la pluie, le vent, le bruit, on se repose pas trop au final. Bon, faut espérer qu'il y ait du soleil ce soir, qu'on dorme mieux, bah, en plus, meilleur. En plus cette nuit on a été réveillé par les sangliers qui sont venus manger à côté de notre campement. Donc on a été pas mal dérangé toute la nuit, comme il disait, avec le vent. C'était long, long. En espérant que cette journée soit un peu plus courte. Alors, on profite de se mettre un petit peu à l'abri, on a trouvé une boulangerie à Vieille Saint-Giron, je crois, quelque chose comme ça. Donc avec des petites tables à l'extérieur, donc on va attendre que ça passe un petit peu, parce que
C'est vraiment désagréable. Mais on va se prendre un petit déjeuner. On a bon soleil, ça fait du bien, ça réchauffe. Parce que l'air, le fond de l'air est pas très chaud. Le soleil, il est vraiment agréable. Il y a un peu de vent. On voit qu'il y a pas mal de houle au niveau de l'océan. Mais ça fait plaisir, on est ensemble pour la première fois à l'air iodé. C'est super agréable. C'est très calme, on est vraiment hors saison. Donc, en basse saison même, je dirais pour être plus précis. Du coup, il n'y a pas grand monde. Dans ces lieux-là, avec si peu de personnes, bah, c'est vraiment agréable. Le seul défaut, c'est que tout est fermé. Mais on va réussir à se trouver une petite boulangerie pour se prendre un sandwich. Pour partir frais pour l'après-midi. C'est prévu quoi cet après-midi? 40 km environ pour arriver à... Ça me fait amener où ça, 40 km? Biscarros à peu près, ouais, un peu plus haut. Donc on verra. Si on est frais, on roulera un peu plus. Il fait beau, on va en profiter. Ça n'a plus 40 km. Mes petits soucis, soit on a le disque qui est voilé, ou soit il n'est pas réglé, il frotte quand on roule, et je vous avoue que ça fait yesh. On va voir s'il fait du bruit. Ouais. Il faut juste le décaler un tout petit peu. Là, je suis embuté là. Enfonce, décale, ouais. Là, t'es pas mal. Sur celui-là? Ouais. Dearest sunlight, I am calling you across the old room. Sunlight, dearest sunlight, I would like to come. Moi qui régale, crêpe faite maison, crêpe à la fraise, fraise faite maison aussi d'ailleurs. On dirait merci à Claire pour les fraises du potager. Bien joué! Le coin est top! Le coin est top, putain, la vue! Ouais! C'est quand même pas mal! On en a chié, mais pas pour rien! Ouais, c'est une bonne journée de pédalage! 95 ouais. km! C'est vraiment pas mal! On est plutôt bien! Là, Simon a trouvé un lieu pour dormir sur l'application Park4Night, pardon, où c'est qu'on se trouve pile en face du lac! Donc, c'est vraiment pas mal, même s'il y a un petit peu de vent, c'est pas grave! Le point de vue est quand même beau! Entre les pins en plus, c'est mignon. Donc on va être quand même pas mal pour dormir parce qu'on est quand même bien crevé avec les deux nuits. On va tremper les pieds même. Ouais. Moi je vais tremper les pieds. Tremper les pieds. Ah ouais. La nuit au bord du lac a été plutôt humide, on n'a pas eu très chaud. Si
Simon a un peu le dos en vrac ce matin. Donc on va voir pour s'arrêter un décathlon pour prendre un matelas un peu plus épais pour lui. Mais en tout cas, ce lever de soleil est quand même exceptionnel. On a des couleurs mais magnifiques. Très chaleureuses qui contrastent avec la sensation qu'on a de l'humidité qui est plutôt froide. La tente est totalement trempée. Donc là, on va plier, grignoter un petit bout et prendre la route jusqu'à la prochaine boulangerie. Ça va remonter le moral. On va pouvoir se mettre un peu chaud. Avec la petite brume matinale sur le lac, c'est magnifique. On peut suivre encore un petit peu là. On vient de se trouver un petit robinet pour ravitailler en eau, parce qu'on en a plus beaucoup. Ouais. C'est super agréable, on est au milieu des forêts de pins. Il y a un camping à proximité. Mais c'est calme, il n'y a pas de vent ce matin, ça fait vraiment plaisir. On entend les oiseaux chanter depuis qu'on est parti. Le soleil commence à réchauffer un peu l'atmosphère et ça commence à être meilleur. On a un peu moins froid, c'est plus agréable. Hier soir, on a fait un petit point pour voir si la véloroute était ouverte sur la partie où c'est qu'il y a eu les incendies l'été dernier. Et effectivement, c'est fermé comme c'était marqué sur internet. Vous pouvez voir, il y a les barrières. Donc là, il n'y a qu'une solution pour nous, c'est de prendre la route pour récupérer la dune du Pilat. Toute cette partie est fermée du nord de Biscarros quasiment jusqu'au sud de la dune du Pilat. Donc toute cette partie, on va la cutter parce qu'on n'y a pas accès. Donc on va emprunter la route. Et à partir de la dune, je pense qu'on va pouvoir récupérer la véloroute jusqu'à Arcachon. Et Arcachon, on va essayer de prendre le petit bateau qui va nous permettre de traverser. Allez, tout droit dans la barrière. Non, on déconne. On prend la route. Belle ligne droite. Tout autour de nous, là, on a les pieds des arbres qui sont brûlés sur à peu près 1,50 m, 2 mètres. Et tout le reste, ça a été rasé, on dirait. Ouais, c'est... Les coupes sont pas si vieilles. Ça y est, on vient d'arriver à Arcachon avec le beau temps. Donc ça, c'est super agréable. C'est calme. Là, on a un tout petit créneau pour aller prendre les billets pour le bateau. Là, genre, il regarde pas comme il passe. Il faut faire attention. Et ensuite, on va vite embarquer et on va sûrement se faire la pause arriver de l'autre côté. Ça fera du bien une petite pause parce qu'on est une quarantaine de bornes depuis ce matin. Surtout qu'il y a pas mal de montées et de descentes. Donc on prend quand même un petit peu de dénivelé. Voilà, bon, on suit le... Ils vont commencer à embarquer dans environ 7 minutes. Ok. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. On a trouvé un camping municipal pour ce soir au niveau de Porche, Océan si je ne me trompe pas. On est à une vingtaine de kilomètres de ce camping. Donc d'ici une petite heure à peu près, on va y être. Et là, on est sur une route. Qui est quand même bien défoncée avec les racines. Toutes les racines des pins autour sont passées sous la piste. Et l'ont totalement éclaté. Donc on se fait un petit peu secouer. Je suis un petit peu irrité entre les jambes avec la selle. Donc les secousses, ça fait pas du bien.
ça sent un petit peu. Mais bon, on va arriver relativement tôt dans l'après-midi. Donc on va pouvoir se reposer, récupérer et peut-être même faire une machine. Donc ça peut être pas mal, on repartira avec des vêtements tout propres. Allez, ça pousse, ça pousse. Petite montée. Ça paye pas de mine, mais c'est un petit peu ballonné par ici. Hein. Oui, bonjour madame. Pouvez-vous savoir si vous avez encore de la place, mon camping ? Pour ce soir, oui. D'accord. Pas de soucis, nous on est là dans une heure ou une petite heure. Super, merci, à tout à l'heure. Grand luxe, ce soir on est au camping. Ah ouais, dans une heure on est au camping. On va pouvoir prendre une douche, faire la machine j'espère aussi. Ouais. Il nous reste 10 km. Ouais, 11. Cet après-midi, on est arrivé assez tôt au camping, donc c'était pas mal. On a pu se prendre une super douche chaude. Ça faisait vraiment du bien. Et en même temps, laver tous les vêtements qu'on avait qui étaient sales. Comme ça, on repart à neuf pour le reste de l'aventure. Et là, on rentre du bord de la plage, où c'est qu'on s'est explosé le ventre burger. Mais là, on est tellement plein que je crois qu'on va se brosser dans et on va aller dormir direct. C'est même pas 20h. Mais on est éclaté entre la journée de pédalage et le burger, surtout le burger. Hein, Simon ? Le burger était plutôt bon, ouais. Il est directement passé sur l'estomac et... Il est bloqué, là, il descend plus. C'est ça, il est bloqué. Et là, on va aller dormir, on est rincé. Ce matin, on s'est réveillé un petit peu dans le dur, avec l'humidité. On avait un peu la flemme de sortir du duvet. Et pour se motiver, on a regardé où c'est qu'il y avait une boulangerie la plus proche. Et elle était à 15 km. Donc on vient de rouler 15 bornes pour arriver à... Je crois que c'est Lacano. C'est Lacano, c'est ça, Simon ? Ok. Ouais, donc pour arriver à Lacano. Et là maintenant, on se cherche cette petite boulangerie histoire de se remotiver avec un café. Des bonnes viennoiseries. Magie du direct. Voilà, la boulangerie. Ouais, ça permet de bien la retendre. Je pense que ça va m'aider à avoir peut-être un petit peu moins mal. Elle est peut-être un peu détendue et tu vois sur ces plis là, je pense que ouais, ça vient. Ça frotte aussi. Ouais. On a fait 61 bornes ce matin, on a entraîné. Ouais. 61 km avec du vent de face. Et voilà, on n'a pas fini encore, c'est la pire. On est à... Bonne question. Ouais. À 20 km de Soulac sur mer. Ouais. Voilà, petite ville, on va voir pour se restaurer, trouver un petit magasin. Je commence à être irrité entre les jambes, donc ça brûle beaucoup. Pourtant, depuis 3 jours, je mets de la NOC, pour ceux qui connaissent. C'est une genre de, du moins pour ceux qui connaissent pas, c'est une crème un peu genre vaseline pour justement permettre que ça glisse mieux entre les jambes, mais ça s'irrite de plus en plus, donc peut-être devoir faire un arrêt à la pharmacie pour essayer d'acheter du Cicatril, quelque chose comme ça pour essayer de compenser cette problématique. Et en plus de ça, j'ai le genou droit là qui est en train de me lancer depuis 3 jours, pareil. Mais ça va, on serre les dents, on avance bien, on vient de dépasser les 400 km. Donc c'est cool, ça montre qu'on roule bien, malgré ce vent de face. On reprend des forces un peu ce matin. Ah carrément. Ça fait du bien, en plus on est un peu coupé du vent là.
scooter aussi pour charger en pote. Ouais. Normalement sur la gauche, il doit être. Ouais, on va pouvoir ravitailler en eau. C'est pas facile à trouver là, non, ici, il y a. Ah, mais c'est beaucoup. Merci beaucoup, c'est super sympa. Ouais, c'est cool. Pour se ravitailler en eau, ça marchait à la carte bleue en fait. Et le gars qui était devant nous nous a gracieusement proposé d'utiliser le coup de carte bleue qu'il a mis pour justement qu'on puisse se ravitailler en eau. Moi je vais pas partir dans le sable là. Enfin que je change de vitesse. Grâce à lui, on a pu avoir de l'eau gratuite. Parce que maintenant, l'eau c'est payant. Ah! Voilà! On profite d'arriver à Soulac pour se faire une petite pause. On doit être à un peu plus d'une dizaine de kilomètres de Verdon-sur-Mer. C'est là où on va prendre le bateau quand on arrivera pour basculer sur Royan. Et là, du coup, on va se faire la pause à côté des bunkers. On n'avait pas vu depuis Cap-Breton. Là, on en revoit, il y en a un là. Je trouve quelques traces de la Seconde Guerre mondiale ici aussi. Ça va Simon? Ça va. La pomme pote, t'es arrivé je comprends. Ah ça. Ça. La pomme pote c'est. Voilà. C'est la vie. On vient d'arriver pile poil à Alta, on a le traversier qui est en train d'arriver. Là on va embarquer et ensuite on va aller direction Royan. Par la suite on va voir où c'est qu'on va. On ne sait pas encore exactement si on fait une halte à Royan ou si on continue un peu. On va voir ça une fois sur le bateau, on va se faire un petit check. Bonjour, je vous prends un ticket s'il vous plaît. Un vélo. Ah, ça sent la barbe à papa. Ouais. Ouais, c'est pas faux, en arrivant, ça peut être sympa. Troisième étage. Troisième étage. Finition. On s'est trouvé un petit hôtel pour passer la nuit. Bien au sec avec un maximum de confort. Ah, ça fait trois étages à monter. Ça tire un peu. Ah ouais, ça tire un peu, ouais. Ah, mais ça va faire du bien. Mince, on est au combien? J'ai même pas compté. 1, 2, 3, c'est là. Et quelle chambre il a dit? Deuxième. Ah ouais? Oui. Merde. Et tu te souviens du numéro de chambre? Non, je suis marqué sur la clé. Ah oui, c'est vrai. J'ai une clé que je regarde pas le numéro moi aussi. 15.
Bah nickel, y a pile poil la place pour les vélos en plus. Hop, ça m'a pris cher la porte. Ouais. Waouh. Wow. Y en a qui se sont battus ici. Oh. Depuis, on est parti quand mercredi, depuis vendredi qu'il a fait bien froid, qu'on était bien mouillé. J'ai dû choper à mon avis un bon coup de froid parce que j'arrive plus à manger trop. J'arrive pas trop à manger. Donc le soir, je sens que je suis bien crevé, bien en hypo, mais j'arrive toujours pas à manger. Moi, perso, je vais en finir là, prendre le train pour rentrer à Bordeaux et après jusqu'à Lourdes. Voilà. T'as pas le dos en vrac aussi ? Si, ouais, il y a le dos aussi qui traînait déjà depuis le boulot. Ouais, déjà j'avais pas mal de soucis de dos et là de rouler au final ça a pas rangé le truc donc voilà. Bah donc je vais faire pareil, je vais suivre Simon, on va rentrer tranquillement à Argelès-Gazost. Bah ça aurait été quand même pas mal, on a quand même fait 5 jours de voyage à vélo donc là c'était le 6ème jour, là on va juste aller direction la gare. Donc c'était un bon trajet, on a bien roulé quand même donc c'était plutôt cool. Relativement plat, on a pu découvrir cette belle vélodyssée et qui sait, on reviendra peut-être pour continuer tout le reste de la vélodyssée un jour. Ces quelques jours furent une expérience inoubliable, remplie de moments de partage entre amis, de paysages magnifiques et de rencontres inattendues. Nous avons pédalé sous le soleil, essuyé des averses, ri aux éclats et avons créé des souvenirs que nous chérirons pour toujours. J'espère que cette vidéo vous a donné un aperçu de notre aventure et vous a inspiré à explorer le monde à vélo. Merci encore de nous avoir accompagnés dans ce voyage et j'ai hâte de vous faire découvrir de prochaines aventures.